Ok les gars, aujourd'hui je suis trop contente. C'est pas exactement une vidéo comme d'habitude. Les cheveux mouillés, tout c'est tout à fait normal. Je sais même pas s'ils sont assez mouillés, bref on s'en fout. Je suis trop contente parce que aujourd'hui enfin on teste la brosse nettoyant. Pas du tout. La brosse sèche-cheveux, je sais pas comment on appelle ça. J'ai jamais utilisé. Je apprends en même temps que vous. Petite pépite, est-ce que je vais l'aimer, est-ce que je ne vais pas l'aimer, affaire à suivre. Du coup aujourd'hui je vais simplement me sécher les cheveux avec cette brosse. Je suis en train de m'énerver là à vouloir essayer d'enlever ce petit truc. Un truc que j'ai pas réfléchi quand je l'ai acheté, c'est que on est au Canada ici. Les prises sont différentes qu'en Suisse et j'ai pas pensé à ça. Du coup c'est à dire que quand je vais l'utiliser en Suisse, eh ben, je vais devoir utiliser un adaptateur pour utiliser ça. Du coup bref, pour la petite histoire, depuis que je suis ici, je ne peux pas me sécher les cheveux parce que je voulais m'acheter un sèche-cheveux parce que je suis au Canada actuellement pour ceux qui le savent pas du coup, et j'ai pas pris de sèche-cheveux, j'ai rien pris avec moi, tout ce qui est cheveux j'ai rien pris. Je me dis je ferai des tresses, je trouverai une solution, il y aura bien quelqu'un qui aura un sèche-cheveux. Et bah en effet, il y avait quelqu'un qui avait un sèche-cheveux dans mon ancienne famille, sauf que là, j'ai pas envie de leur demander tout le temps leur sèche-cheveux. Et je me suis dit, je veux pas acheter un sèche-cheveux, enfin genre je rentre en Suisse, j'en ai déjà des sèche-cheveux chez moi. Du coup, je me suis dit, j'ai vu une vidéo de ça. Et je me suis dit, pas mal de gens qui disent comme quoi il fait des beaux cheveux et ça les casse pas trop. Du coup, je me suis dit, bon bah c'est parti, vu que j'ai les cheveux assez longs, bah je me suis dit, pourquoi pas essayer. Ce qui était trop bien, c'est qu'il était en solde quand je l'ai acheté. Du coup, je l'ai acheté genre dans les soixantaines de dollars. Bref, il était en action, je me souviens plus. Plus les taxes, ça fait pas beaucoup de différence, mais bon, je l'ai quand même pris. Déjà, je vais le brancher parce que ça sera plus efficace avec un outil branché. Logique Mili. Juste à côté du chauffage, là, c'est cool, j'espère qu'on n'entend pas trop le bruit. Du coup, pour éviter les petites frisottis de mes cheveux, j'applique un soin de chez Dove que j'avais testé ici et que j'ai acheté ici aussi parce que je le trouve relativement bien. Il hydrate les cheveux et en effet il diminue les frisottis. Le but du truc. On le fait un petit peu chauffer entre les mains et on applique un petit peu sur les pointes. Je sens dès qu'il y a une goutte qui tombe de mes cheveux, ça fait tchit sur le chauffage. Ce que j'avais oublié de dire, mais le focus il fait pas son affaire là aujourd'hui. Celui-là j'en ai déjà parlé dans mon autre petite vidéo et ce que j'ai oublié de dire c'est qu'il protège jusqu'à 230 degrés. Du coup plus c'est haut plus on aime. Non je rigole, je dis n'importe quoi et j'en mets un petit peu sur tous mes cheveux. C'est la première fois que je fais une vidéo sur les cheveux. Je sais pas si je dois partager mes cheveux en deux ou pas. Parce que j'ai évidemment, j'ai regardé plein de vidéos sur des gens qui faisaient ce genre de vidéos pour voir comment ils avaient fait. Et ils partageaient tous leurs cheveux en deux. Mais moi j'ai les cheveux fins. Est-ce qu'on les partage en deux? Oui, allez. On fait comme tout le monde. Mais oui. J'aurais un style d'enfer dans cette vidéo, mais je vous dis pas. Je sais même pas si j'ai fait une intro. Est-ce que j'ai fait une intro? Je sais plus ce que je fais. Nanana. Stop. J'ai partagé mes cheveux en deux. On va allumer cette petite pépite. Je vais vous la présenter d'abord, comme ça vous savez un petit peu à quoi faire, même si je sais que tout le monde sait ce que c'est. Du coup, c'est une brosse chauffante qui a trois modes. Le mode froid, le mode tranquille et le mode chaud. Je vais essayer de commencer avec le froid pour voir ce que ça fait et si j'aime pas, ben on ira au high directement parce que l'entre deux j'aime pas du tout. J'ai aussi acheté cette petite pépite de brosse parce que vraiment qu'on se le dise, c'est chiant de tenir le fun plus la brosse plus tatati tatata. Non, ça c'est deux en un, donc il n'y a pas de question à se poser, la question est vite répondue. Pourquoi j'ai des lignes sur ma face? Je viens de faire tomber la palette Huda Beauty. J'ai pas envie de l'ouvrir. Oh, elle est entière. Je crois qu'on va pas mettre de miroir. Parce que si c'est pour qu'elle tombe une deuxième fois, non merci. Du coup c'est parti, j'ai peur.
c'est juste. Ça, ce petit truc là, c'est cool si tu veux faire des boucles. Comme ça, tu le tiens là. C'est facile, vu que c'est quand même assez gros. Quand j'ai sorti du paquet, je me suis dit, mais c'est énorme. Raison de plus, je vais encore plus devoir acheter une valise pour rentrer. Bref, on recommence. Et ça fait une chill boucan, hein, par contre. Et ça chauffe à fond, hein. Mais bon. Je crois que j'aime bien commencer. Elle a cru qu'elle connaissait déjà le produit. C'est même pas un produit. J'aime bien commencer par le froid. Et après finir par le chaud. Parce que ça, comme ça, il y a moins de temps de chaud. Je sais pas si c'est compréhensible ce que j'ai dit. Du coup, je vais commencer de nouveau par le froid de ce côté. La même chose du coup avec le froid. Pour l'instant, moi j'aime bien. Faire la petite frange, genre je vais prendre un espèce de petit triangle devant et pour que ça fasse un petit peu du volume. Je ne suis pas du tout coiffeuse, je sais pas du tout comment faire, mais on disait qu'on allait y arriver. Qui du coup, je reprends mon super outil et on recommence. Je crois que la torture est terminée. Du coup là j'ai un petit peu de volume, ce que je n'ai pas normalement. Je crois que j'aime bien. Peut-être que j'ai fait un peu trop. Oh, mes cheveux ils sont incroyables. Lumière du jour, comment est-ce que ça donne? Bon là c'est vraiment... pas lumière du jour, c'est soleil. Ok, du coup les pointes, j'ai essayé de faire un truc, mais je vous avoue, vu que mes cheveux ils sont longs et coupés tous à la même longueur, ça fait un peu bizarre. Je crois avoir ma petite conclusion. J'aime bien cette brosse. Ça vous étonne? Non, pas du tout. On sait pas trop ce que ça fait avec mes cheveux, mais c'est parce qu'ils sont trop longs je pense, pour essayer de faire une sorte de brushing. Si vous voulez éviter de galérer avec le sèche-cheveux et la brosse en même temps, achetez cette brosse parce qu'elle est quand même assez bien. Si vous avez des cheveux un peu style dégradé, du coup pas tout coupé à la même taille, je pense que cette brosse est faite pour vous. Et je pense que c'est pas impossible de pouvoir faire des boucles complètes avec ce genre de brosse si on a les cheveux vraiment mouillés et qu'on tourne complètement... t'as compris? Et je pense que faire des petits brushing avec des cheveux dégradés, ce serait trop joli. Du coup, en gros, si t'as aimé la vidéo, je te laisse mettre un petit like parce que ça ne coûte rien et moi ça me fait plaisir parce que je vais voir vos petits likes. Pourquoi je parle comme ça à chaque fois, je ne sais pas. C'est pas très explicatif, mais bon, avec un fun, ça... il n'y a pas moyen de parler en même temps. Dites-moi si vous voulez que je teste d'autres trucs. J'espère que vous passez une bonne journée. Et en tout cas, si vous passez pas une bonne journée, et ben, j'espère que ça ira mieux demain. Allez dormir, prenez un café, je sais pas, faites quelque chose pour aller mieux. J'espère que ça vous aura égayé votre journée. Oh, abonnez-vous, likez, partagez. Et n'oubliez pas d'envoyer cette photo... non, qu'est-ce que je dis? N'oubliez pas d'envoyer cette vidéo à quelqu'un qui pourrait potentiellement vous offrir cette petite pépite pour votre anniversaire. C'est toujours ça, on est d'accord? Ah ouais, il y a plein de cheveux dedans. Ça, c'est ce que je redoutais. Les cheveux qui restent dedans. A bientôt dans une toute prochaine vidéo. Bye!